Donc pour cette rentrée littéraire de septembre, j'ai envie de vous présenter deux ouvrages. Donc le premier, Shuggy Bane, de Douglas Stewart, aux éditions du Globe. Donc c'est un premier roman qui se passe dans les années 80, dans une banlieue de Glasgow. Une banlieue en fait minière, donc complètement à l'abandon. Et donc on y suit l'histoire, l'enfance en fait de Shuggy Bane, donc qui est un petit garçon qui vit avec sa mère et son grand frère. Sa mère qui progressivement au fil du livre va tomber dans l'alcoolisme. En plus de ça, donc Shuggy a une particularité en fait, c'est qu'il préfère jouer à la poupée plutôt qu'au foot. Et du coup, il va être très vite la cible en fait de moqueries et de violences de la part du voisinage. Et donc voilà, c'est un roman très sombre, assez dérangeant sur plein d'aspects, mais qui est très fort, qui est très prenant et qui voilà laisse beaucoup de traces. J'ai choisi de vous présenter un roman que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Les ombres filantes. Il a été écrit par Christian Guay-Poliquin et édité chez La Peuplade. Dans un univers post-apocalyptique qui ressemble un peu au nôtre, l'électricité a disparu et les hommes se réfugient dans la forêt pour pouvoir survivre. Notre narrateur fait partie de ces survivants, on arrive avec lui dans l'histoire, il est seul, il est blessé. Il a du mal à se déplacer et on sait qu'il veut rejoindre un point particulier en traversant toute une forêt où est sa famille qui s'est réfugiée. Voilà. Donc il est question de survie, de nature, et sur son chemin, il tombe par hasard sur un jeune garçon qui s'appelle Olio, qui a une douzaine d'années. Et entre eux va se lier une sorte d'amitié, ils vont cheminer ensemble. Alors Olio est un petit peu étrange, on n'arrive pas trop à savoir quel est son passé, mais en même temps une très très belle relation se naît entre eux en fait. Et on les suit comme ça, au fur et à mesure de leur pérégrination, ils rencontrent d'autres personnes, ça se passe plutôt bien, ça se passe plutôt mal, jusqu'à peut-être réussir à rejoindre la famille du narrateur, je vous en dis pas plus. En tout cas c'est un très 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 beau roman, qui fait penser au nature writing, qui fait évidemment penser à La Route de Cormac McCarthy, qui fait aussi penser à Dans la forêt de Jean Eglan. C'est une magnifique fable sur l'humanité, sur les liens qu'on tisse et sur la beauté de la nature. Vraiment, je vous le recommande. Parler du premier livre de Jean Eglan qui vient d'être publié par les éditions Phébus, qui s'appelle Apaiser nos tempêtes. Apaiser nos tempêtes est un roman superbe qui va retracer le destin de deux femmes confrontées toutes les deux lors de leur adolescence à la question de la maternité. Une des deux va choisir de garder son enfant, l'autre va choisir de l'avortement. Et à travers cette question, on va voir ces deux femmes évoluer tout au long de leur vie, avec certaines démarcations, non seulement d'un point de vue social, mais aussi d'un point de vue psychologique. Elles vont toutes les deux être marquées par ce choix. La première, celle qui a gardé son enfant, va devoir arrêter ses études, va avoir une vie sociale très compliquée, va devenir SDF, va être abandonnée par cet enfant qu'elle a eu beaucoup trop jeune, et va ensuite aller rechercher la compagnie des autres. La seconde, elle, va pouvoir se lancer dans une carrière de photographe à succès. Et à travers ça, elle va se marier, avoir d'autres enfants et va avoir besoin de quelqu'un pour garder ses enfants. Et c'est là où les deux destins vont se croiser. C'est un roman très très beau, avec une langue d'une grande fluidité, avec beaucoup de tendresse et beaucoup de ressenti aussi. C'est une femme qui a écrit ce livre, ça se sent. La maternité, elle vient de la vivre et ça se ressent immédiatement sur l'écriture et sur les mots qu'elle a vis-à-vis des enfants. C'est un roman plein de tendresse et plein de douceur que je vous recommande particulièrement. Ne t'arrête pas de courir, de Mathieu Palin, aux éditions de l'Iconoclaste.
Donc c'est le récit, en fait, Mathieu Palin, pendant 2 ans, il a rencontré un prisonnier qui s'appelle Toumani Koulibaly, donc qui a la particularité, en fait, d'être un champion d'athlétisme. Il a été champion de France du 400 mètres, et en parallèle, il faisait aussi beaucoup de cambriolage, alors des petits cambriolages, en fait, sans trop d'envergure, des magasins de téléphonie, etc. Et du coup, voilà, Mathieu Palin va enquêter pendant 2 ans, avec des entretiens donc avec Toumani Koulibaly, et puis aussi avec ses proches, ses entraîneurs, etc. Et voilà, donc c'est tout le récit de pourquoi il revient toujours, malgré en fait son talent indéniable pour l'athlétisme, pourquoi il rechute à chaque fois, pourquoi il peut pas s'empêcher en fait de cambrioler, et voilà. Et du coup, c'est aussi l'évocation de tous ces sports un peu secondaires, en dehors des sports stars qui ramènent beaucoup d'argent comme le foot. Là, on est en athlétisme, et du coup, même pour les très grands champions, c'est parfois difficile de joindre les deux bouts. Donc voilà, c'est passionnant. Il y a aussi, donc, au fil des rencontres, il y a aussi l'amitié en fait entre Mathieu Palin et Toumani Koulibaly qui va se nouer. On suit ça aussi sur ces 2 années d'entretien. Alors, j'ai lu un très très beau roman qui est vraiment une pépite de cette rentrée, je trouve. Alors, il est assez grand, il fait 800 pages, mais n'ayez pas peur, vraiment, ça se lit d'une traite, c'est incroyable. Ça s'appelle Poussière dans le vent, de Leonardo Padura, qui est un auteur cubain. Alors, on suit l'histoire de Marcos et Adela, qui sont 2 jeunes qui vivent aux États-Unis. Donc, Adela est new-yorkaise. Elle a des parents cubains et argentins, et Marcos, lui, est né à Cuba. Et il a grandi, voilà, il s'est déplacé aux États-Unis. Les deux se rencontrent, on est dans les années 2010 environ. Ils tombent amoureux, c'est super, tout va bien. La mère d'Adela n'est pas forcément très contente qu'elle soit avec un cubain, mais bon, voilà, elles ont une relation assez particulière, c'est un peu étrange. Et voilà qu'un jour, sur les réseaux sociaux, Adela et Marcos tombent sur une photo. Et sur cette photo, il y a quelque chose qui trouble beaucoup Adela, elle croit reconnaître quelqu'un. Et en fait, de cette histoire, cette quête un peu de cette personne, dont on ne sait pas trop qui c'est, donc je ne vais pas vous dire qui c'est, se déroule toute l'histoire de Cuba et de ses exilés à partir des années 90. Puisque dans les années 90, il y a eu ce qu'on appelle la période spéciale, où à la chute du régime soviétique, Cuba a connu une crise économique sans précédent, et donc une bonne partie de la population est partie. Et de ce groupe d'amis sur cette photo, on suit toutes les différentes trajectoires de ceux qui partent, de ceux qui restent, et vraiment leur rapport à l'exil, c'est très très beau, c'est à la fois très romanesque, et en même temps on apprend beaucoup de choses sur l'histoire, et sur les autres, sur soi, c'est très très beau, je vous le recommande.